Sur la Lune, le fer est conservé dans un état impeccable, car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas y rouiller. Mais il y a quelques semaines à peine, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions supérieures de notre satellite, le fer est oxydé et il rouille. Au début, cette découverte a laissé des astronomes perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines régions de la Lune. Mais ensuite, l'explication a fait surface. L'oxygène aurait pu atteindre la roche sans vie depuis notre propre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient aspirer un peu d'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'acheminer jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas dans les ravins et surtout sous la surface du satellite. Tant que nous sommes sur ce sujet, on a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars aurait pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris résultants se sont alors rassemblés en une boule serrée qui est devenue plus tard notre Lune. Mais il y a une question qui dérange les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux. Alors comment se fait-il que la Lune contienne autant de minerais ? Les dernières recherches écartent la théorie principale, si bien qu'en 2020, nous ne savons toujours rien de l'existence de notre plus proche voisin. Il y a cependant des nouvelles. Les astronomes du MIT ont enregistré un signal répétitif à 500 millions d'années-lumière de distance. Ces signaux sont appelés sursauts radio rapides ou FRB, Fast Radio Burst, et il s'agit généralement d'événements singuliers. Personne ne sait quelles sont leurs sources, mais il peut s'agir de supernovas ou de sursauts d'énergie provenant de quasars. Cette répétition est cependant assez effrayante, car elle est régulière. Pendant 4 jours, les équipements radio captent des signaux en permanence, puis ils s'arrêtent brusquement. Mais après 12 jours, le même schéma recommence. 4 jours de sursauts radio constants et 12 autres jours de silence. Les astronomes ont réussi à localiser le signal comme provenant d'une galaxie située à un demi-milliard d'années-lumière de nous. Mais on ne sait toujours pas ce qui en est la cause. Il peut s'agir d'un quasar en rotation ou d'un trou noir supermassif, mais une technologie extraterrestre n'est pas exclue non plus. En parlant de cela, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule galaxie de la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et pas n'importe quelle planète. Elle a un noyau et une surface rocheuse, et sa taille est comparable à celle de la Terre. En se trouvant dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir l'habitat d'êtres vivants, de microbes au moins. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant également que nombre d'entre elles sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Et certaines d'entre elles y sont sûrement plus semblables que d'autres. Une de ces planètes est peut-être plus proche que tu ne le penses. Vénus, la sœur maléfique de la Terre, pourrait abriter une vie microscopique. Même si sa surface est aussi chaude qu'une fournaise et arrosée par les pluies acides des nuages de dioxyde de carbone, il pourrait y avoir quelque chose de vivant dans son atmosphère. Les scientifiques ont récemment relevé des traces d'un gaz appelé phosphine qui peut être produit par des micro-organismes. En très petite quantité, il pourrait apparaître par des moyens non organiques. Mais les télescopes ont trouvé beaucoup plus de ce gaz. Cette découverte a été une énorme surprise, car on pensait que Vénus était trop inhospitalière pour toute forme de vie. Mais aujourd'hui, elle pourrait devenir la toute première planète, en dehors de la Terre, à abriter des êtres vivants. Les microbes qui produisent la phosphine vivent probablement dans les nuages acides et ils n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Un autre monde prometteur a été soudainement découvert en fouillant les données d'un vieux télescope spatial. En 2018, les astronomes ont analysé les informations reçues du télescope Kepler et, comme d'habitude, ont écarté les pièces qu'ils ne jugeaient pas pertinentes. Mais 2 ans plus tard, en fouillant dans ces vieilles données, les scientifiques ont remarqué qu'un objet avait été mal identifié. Il s'agissait d'une exoplanète située à 300 années-lumière de la Terre et tellement semblable à celle-ci qu'elle était presque un double de notre planète mère.
Kepler 1649c n'est que 6% plus grande que la Terre et est probablement constituée des mêmes minéraux. Elle reçoit également de son étoile environ autant de lumière et d'énergie que nous en recevons du Soleil. Le seul problème pour l'instant est que l'étoile pourrait s'emballer trop souvent, ce qui rendrait la surface de la planète trop chaude et brûlerait son atmosphère. Pourtant, nous n'en avons pas encore la preuve, et nous pourrions avoir une planète potentiellement habitable assez proche de chez nous. AU Microscopie, ou AU-MIC en abrégé, est en fait le berceau d'un nouveau système stellaire qui pourrait être observé directement. Il est très proche, à seulement 32 années-lumière, et l'étoile est très jeune, environ 150 fois plus jeune que notre Soleil. À l'échelle cosmique, elle est comme un nouveau-né, et tu peux encore voir un nuage de débris tourbillonnant autour d'elle depuis sa naissance. Mais les curiosités ne s'arrêtent pas là. La NASA a ajouté une affiche mettant en scène AU-MIC dans sa série « Galaxie des horreurs », en raison de la planète qui tourne autour de l'étoile. AU-MIC-B est si proche de son Soleil qu'elle fait un tour complet autour de lui en seulement 8,5 jours. Étant si jeune, l'étoile fait souvent des caprices, ce qui entraîne d'horribles doses de rayonnement solaire qui prennent d'assaut la pauvre planète. Comme tu peux le deviner, aucune vie n'est possible dans de telles conditions. Néanmoins, les scientifiques sont heureux d'avoir trouvé ce système, car il permet de comprendre comment les étoiles et les systèmes stellaires se forment. Revenons à la Terre. Les changements climatiques auxquels nous assistons font très probablement partie d'un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie, Santa Cruz, ont mis au point un schéma des variations climatiques de notre planète et elles ressemblent à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années et ils sont tous liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les saisons ont été baptisées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House en raison des températures dominantes. Par exemple, depuis 3 millions d'années, notre planète est dans un état d'ice house, glaciaire, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas assez loin. Mais les actions de l'humanité, qui s'ajoutent à l'effet de serre, ont fait passer l'état climatique à l'état de warm house bien plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Bientôt, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas vu depuis plus de 50 millions d'années. Quelle époque pour être en vie ! L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères et rempli d'énigmes. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons maintenant prospérer. Mais il y a maintenant une nouvelle avancée qui suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique, et dans certaines conditions, elle pourrait produire tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé dans de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre, non seulement grâce à des restes fossilisés d'êtres vivants, mais aussi en provenance de l'espace. Tu te souviens de l'énorme astéroïde qui a conduit à l'extinction des dinosaures? Eh bien, je n'étais pas là à l'époque, mais les scientifiques disent que cela pourrait être causé par quelque chose d'entièrement différent. Au moins une extinction massive a probablement été le résultat de l'explosion d'une supernova très très loin de notre planète. Une explosion d'étoiles aussi puissante que tu peux l'imaginer a un jour éclairé la Terre plus que le Soleil, et rapidement, ses rayons UV et cosmiques ont atteint la couche d'ozone de notre planète. Comme ils l'ont fait, la couverture protectrice de la planète a été brûlée et tout ce qui se trouvait en dessous en a subi les conséquences. Il a fallu des centaines de milliers d'années à la Terre pour se remettre de cet assaut. Et si cela se reproduit, ce qui pourrait arriver, nous ne pourrons pas survivre. Heureusement, l'événement le plus proche est l'explosion de Bételgeuse et cette étoile est bien trop éloignée de nous pour faire de sérieux dégâts.